amis, bonjour. Une vidéo en live et en temps réel. Comme vous savez, chers amis, je réagis émotionnellement dans des situations réelles. C'est des choses qu'on ne trouve pas dans les livres. La patiente que je vois qui est devant moi, de l'autre côté de l'écran, elle a vu plusieurs collègues qui ont fait ce qu'il fallait. Je n'ai rien à reprocher. Ils ont fait le Holter, le Doppler, l'échographie, le test à l'effort, l'isotope, les scintigraphies, ils ont tout fait. Mais ils n'ont pas exploité les subtilités de la chose. Et la patiente n'est pas bien, quoi. Alors, quelles sont les subtilités? Prenons par exemple le Holter rythmique sur 24 heures. On l'a analysé parce que la patiente est accompagnée avec sa fille, qui est très jolie, charmante, jeune infirmière, chers amis. Quelle chance que j'ai! Ouais, parce que je dois mettre un peu d'humour dans mes vidéos et transmettre la connaissance avec humour, et ça fait du bien. Et la joie dans les cœurs. La joie dans le cœur apaise le cœur et développe le système vagal parasympathique. Parce que quand on rigole, ha, eh bien, le souffle, eh bien, apaise le système sympathique et favorise le système parasympathique. C'est pour ça qu'on dit un rire joyeux et pur, pas méchant, ben c'est bon pour la santé. C'est pour ça aussi, je dis dans mes vidéos, la joie de vivre, je vous mets même des danses et des chants. Je fais des montages vidéo avec les aurores boréales pour entrer la joie dans les cœurs. La peur, chers amis, fait accélérer le cœur. La peur, la solitude, l'ennui, la sédentarité. Alors maintenant, on a découvert que ce n'est pas le cholestérol qui bouche les artères. Parce que depuis 50 ans qu'on a découvert cette histoire de cholestérol, on a confondu cause-conséquence. Feu-fumée. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé que sur une artère bouchée, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de cholestérol. Mais en fait, ce trop de cholestérol n'est pas la cause, c'est la conséquence parce qu'on ne bouge pas. Parce que dans le temps, nous, on était des chasseurs-cueilleurs, on bougeait tout le temps. Et toutes les maladies, la plupart, sont apparues parce qu'on s'est sédentarisé, voilà, à cause de l'agriculture. Voilà. Alors, passons à nos moutons, le cas aujourd'hui actuel. Je vous montre son électrocardiogramme est normal. Ce qu'il faut voir, chers amis, ici, vous voyez, il y a la fréquence cardiaque ici et le temps ici. Vous voyez que cette patiente, la nuit, eh bien, son cœur s'accélère. D'accord? Et entre 6 h et 8 h du matin, elle est réveillée, mais elle reste au lit. Elle ne se lève du lit qu'à 10 h du matin. Donc, elle a un très mauvais sommeil, elle traîne au lit le matin. Et ça s'appelle comment, traîner au lit du matin? On a dit quoi? On a dit grasse matinée. Grasse matinée. Et quoi encore? Paresse? Non? Alors, il y a un terme français qui s'appelle la procrastination. Ne pas procrastiner, c'est très important parce que je vais vous mettre le lien sur mon iPhone. Il est où l'iPhone? On a, où est-ce que je l'ai mise? Là, merci. Alors, voilà, j'avais trouvé le lien. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je vous le mets, mais de toute façon, je vais faire un montage. Donc, l'article dit que les grasses matinées, la procrastination, traîner au lit seraient mauvais pour la santé et c'est un facteur de risque cardiovasculaire. C'est un nouveau facteur de risque cardiovasculaire. Et donc, cette patiente, selon son Holter, eh bien, chers amis, la nuit, elle dépasse ici le 100, 170 la nuit, alors que la nuit, on doit être 50 par minute, pas 170. Alors, ce n'est pas étonnant de développer le diabète, l'hypertension, le cholestérol et tout cela. Bon, donc, tout cela nous ramène à parler de l'art de vivre, comment s'organiser à la retraite, comment vivre, voilà, c'est ça l'idée. Donc l'idée, le message à vous transmettre, c'est il y a deux nouveaux ou un seul facteur de risque récent qu'on commence à comprendre, c'est le cholestérol n'est pas une cause pour boucher les artères, mais une conséquence. Donc le matin, mangez votre 20 grammes du beurre. Manger un œuf de temps en temps, en général, moi je mange un œuf tous les matins. Et vous voyez, je pète la forme. Voilà. Voilà.
Et je fais 5 km de vélo. Et surtout, sur l'iPhone, vous avez des applications santé. Je ne dis pas acheter des iPhones, mais télécharger des applications santé. De nos jours, il faut être connecté, chers amis. Quand je vois des patients qui ne sont pas connectés, je gueule. Connectez-vous. Alors, cette patiente a en plus une pathologie de sommeil. Elle ronfle, elle a ce qu'on appelle une augmentation du volume de la langue, une macroglossie, les dents qui avancent, et elle respire certainement par la bouche ouverte. Il faut observer cela, d'accord? Bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que j'ai une infirmière là en face de moi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il faut acheter le vélo. Ah, voilà, merci. Le Donc, pour développer le système vagal, ce sont les sports d'endurance. Et les sports d'endurance, vous les connaissez, c'est la natation, la marche nordique, la marche dans les forêts, mais pas en dilatante. Il faut qu'il y ait un programme. Chers amis, je vous ai fait des dizaines de vidéos là-dessus. Souvenez-vous de ma vidéo, les quatre choses noires qui accélèrent le cœur, comment ralentir le cœur par l'activité sportive. Mais pour cela, ce n'est pas un dilatante, comme on dit. Mais le sport comme médicament, là, je me souviens, j'ai fait au moins 15 vidéos là-dessus, c'est comment? C'est persévérance, assiduité, persévérance, assiduité et conviction. Et surtout, aimer faire cela. Aimer, développer l'amour. Et ça se développe en créant des habitudes, des circuits dans le cerveau. Voilà, moi personnellement, j'étais aussi sédentaire comme, voilà. Donc je me suis dit, là maintenant, quand j'arrive chez moi, je suis dans un résident de 4 étages, je dis, ok, je suis au deuxième. Eh bien, j'ai fait mes 4 étages maintenant. J'ai pris la décision, j'ai décrété que quand je rentre chez moi, je monte au quatrième et je prends l'ascenseur pour descendre. Je ne prends pas l'ascenseur pour monter, je le prends pour descendre. Je fais mes 4 étages et je descends dans l'ascenseur, on consomme moins d'énergie. Bon, ceci dit, le vélo, donc le vélo c'est important, faites des vélos avec amour en regardant votre émission préférée. Je crois que j'avais fait aussi une vidéo là-dessus, d'accord? C'est devant la télé le soir, vous pouvez regarder votre film, votre télévision, les infos, alors en pédalant. Et j'avais dit aussi, vous allez à la gare Montparnasse à Paris, il y a des vélos avec des tablettes. C'est-à-dire, voilà, il y a le guidon, et à la gare Montparnasse, ils ont mis des tablettes sur les guidons. Et les gens peuvent pianoter tout en pédalant. Moi, personnellement, bah, j'écoute la musique en pédalant ou je regarde mes séries documentaires sur YouTube et je me regarde moi-même, je regarde bah, mes vidéos en pédalant au lieu d'être assis en train de regarder comme ça. Eh oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il faut aussi développer le potassium, surveiller le potassium parce que ça ralentit le cœur. Les soucis. On fait une pause pour réfléchir. Et voilà, chers amis, je vais là en plein écran. J'ai enlevé le nom là. Alors, si vous regardez qu'au bout de quelques minutes, la fréquence cardiaque est passée de 150 à 140. Attendez, elle est arrivée quand même de fréquence, vous voyez là, de fréquence à 170. Je sais pas si. Si, là, il y a une mise au point. Et vous avez ce que j'ai écrit, le compte rendu. Qu'est-ce que vous lisez dans le compte rendu? Développer la vagotonie, le système vagal, par le sport. Le système parasympathique. Et il faut donc 8 semaines à peu près. D'accord? On a dit cela. Voilà. J'attends vos commentaires.